Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Paris-Nice. La course au soleil passe par les Yvelines pour la 10e année consécutive. C'est parti pour le sommaire. Retour sur la première étape de ce Paris-Nice 2019 à Saint-Germain-en-Laye, une étape longue de 138,5 km dans le département qui a vu le Néerlandais Dylan Groenewegen s'imposer sur le fil devant le château. Vous entendrez toutes les réactions. Coup de projecteur également sur les Brévières, un village de 1300 habitants et ville départ de la deuxième étape de ce Paris-Nice. Une grande première pour la commune. Et à la fin de ce magazine, zoom sur l'essentiel de l'actualité sportive dans le département. Résultats et agenda à suivre. Le départ sera donné dans quelques minutes depuis Saint-Germain-en-Laye. Arnaud Péricard, vous êtes le maire, j'imagine que vous êtes un maire très fier aujourd'hui d'accueillir cette course au soleil. Alors on est très fier, on est très honoré évidemment, on voulait être à la hauteur et depuis voilà hier on a eu dans le parc du château des animations exceptionnelles, énormément de monde, énormément d'enfants. Hier on avait voulu effectivement activer autour de la jeunesse des mobilités douces, du vélo, même si on a une géographie un peu compliquée à Saint-Germain avec quelques collines, on est une ville de vélo. Ça apporte du dynamisme à une commune, une course comme Paris-Nice? Oui, ça génère de l'attractivité économique, ce sont des chambres d'hôtel qui sont prises, les gens vont dans les restaurants, ça fait venir du monde. Hier, j'ai vu énormément de monde qui venait de, je vais pas dire de l'ensemble de l'Île-de-France, mais beaucoup du Val d'Oise, de l'Essonne, des Yvelinois en nombre. On a fait une course cyclo hier, on avait quasiment 1000 participants, je crois que c'est du jamais vu depuis 10 ans, et tous les clubs cyclo des Yvelines étaient présents. C'est la deuxième fois depuis 2013 que la ville organise Paris-Nice. Est-ce que la ville s'inscrit dans cette histoire du Paris-Nice? Alors, ça s'inscrit dans l'histoire du Paris-Nice, ça s'inscrit dans l'histoire cycliste française, la fameuse course Paris-Brest qui a donné le nom au gâteau. Paris-Brest, ensuite, avant, faisait un arrêt à Saint-Germain. Le Tour de France est venu plusieurs fois. La dernière fois, c'était en 1978. Donc, ça nous donne des idées pour la suite. Il y a beaucoup de monde aussi aujourd'hui. On voit, il y a énormément de supporters juste derrière nous. Est-ce que ça vous fait plaisir, justement, qu'il y ait autant de monde pour une course si populaire? Alors, écoutez, c'est une course populaire, on a des Vendéens, on a des Bretons, on a des Espagnols, on a des Anglais, beaucoup, on a une forte communauté anglo-saxonne ici qui vient supporter ses équipes et ses coureurs. Moi, ça me fait énormément plaisir. Saint-Germain, c'est une ville qui bouge et c'est une ville qui n'est jamais aussi belle que quand il y a de l'activité. Vous serez à l'arrivée, vous allez crier à l'arrivée? Ah, on sera à l'arrivée, on criera avec tout le monde, bien sûr. Avant le départ, plusieurs centaines de supporters se sont réunis devant le château de Saint-Germain-en-Laye pour voir la présentation des coureurs. On pouvait notamment apercevoir de nombreux Yvinois. Paris-Nice, 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 Paris-Nice. C'est chouette, on voit les coureurs de près et voilà, on est là pour les encourager et puis c'est une belle course qui s'annonce. C'est une course assez importante parce que y a des grands coureurs et voilà, il y a des grands enjeux aussi pour la saison. Et il n'y a pas que des supporters français ici à Paris-Nice, il y a également des supporters colombiens. Je suis à côté de Martha. Martha, pourquoi vous êtes venue ici? Et parce que je suis très très fan de la vélo et je suis venue pour supporter les colombiennes, les escarabajos. Vous êtes venue à combien du coup? Vous êtes trois, c'est ça? Oui, nous sommes trois seulement. Et qu'est-ce que vous allez faire du coup? Et aujourd'hui, on va supporter les Colombiens, on va prendre des photos, si on peut faire des signatures aussi, et c'est tout. Et vous allez faire beaucoup de bruit? Et oui, aussi. On va supporter les Colombiens, crier très très fort. Est-ce que vous avez un petit chant à nous proposer? Colombia, 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 Colombia. En tout cas, les supporters colombiens sont surexcités. Dans le parc de Saint-Germain-en-Laye, ses supporters venus du monde entier ont pu observer les 23 équipes et les 161 coureurs inscrits pour cette édition 2019. Un certain Thomas Vaucler, plusieurs fois maillot jaune sur le Tour de France, s'est prêté au jeu des pronostics juste avant le départ. Aujourd'hui, je suis un peu embêté parce que, avec les conditions météo, très honnêtement, le scénario va être assez incertain. Donc, allez, si je devais me lancer, j'aimerais, je vais dire, le côté franchouillard, le même que l'an dernier, qui avait gagné la première étape de Paris-Nice, Arnaud Démare. Parce que c'est, voilà, il a une belle équipe, il est bien entouré. Donc, je peux dire lui, mais honnêtement, c'est assez aléatoire aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein, ce dimanche à Saint-Germain-en-Laye et même dans toutes les Yvelines. Qu'est-ce que ça fait quand il y a autant de vent sur un parcours? Du stress. Il faut bien que le public comprenne
que le vent, ça c'est quasiment plus dur que des montagnes dans le vélo, parce qu'on peut pas tout calculer, il y a des gros risques de chute, il y a des stratégies d'équipe qui se mettent en place, ça joue énormément des coudes, donc ouais, ça change complètement la course, ce fort vent aujourd'hui, et voilà, et ça va, il y aura du gros spectacle aujourd'hui. Et quelle est la bonne stratégie justement à adopter? Le collectif, aujourd'hui c'est vraiment le collectif qui va primer. Si on n'est pas doté d'un fort collectif, c'est très difficile de s'en sortir. Le seul moyen, c'est d'être malin. Il peut y avoir des coureurs malins qui arrivent à se placer, même s'ils n'ont pas une équipe totalement à leur service. Parmi les coureurs présents, des cyclistes locaux et notamment le coureur versaillais de 30 ans, Kevin Reza. Sur mes terres, c'est sur mes numéros d'entraînement, donc on se sent forcément excité devant les amis, la famille, donc voilà, c'est une belle journée. Bon, il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais on fera avec et ça va bien se passer. Quelques minutes plus tard, c'est l'autre local de l'étape, Tony Galopin, habitant de la vallée de Chevreuse, qui s'est présenté devant le public. J'habite pas très loin, demain encore plus à la maison, donc ouais, c'est toujours spécial. C'est un beau tracé, c'est à la maison, il y a du vent, ça va être sinueux, ça va être dangereux, typiquement Paris-Nice. Ça vous plaît ? Oui, ça me plaît, ouais, toujours. L'un des favoris du jour n'est pas un Yvelinois, mais un cycliste originaire de l'Oise, Arnaud Desmarres, double vainqueur de la première étape du Paris-Nice sur les deux dernières éditions. Les habitudes ont fait que j'ai gagné nombreuses fois, donc voilà, aujourd'hui c'est une journée très spéciale, il y a vraiment beaucoup de vent, j'aime ça, l'équipe aime ça, donc on va voir comment ça va se passer. Vous êtes plutôt confiant? Moi, plutôt confiant, j'ai pas encore pris le départ, mais c'est vrai que ouais, après au bout de quelques kilomètres, on va vite prendre le vent de travers et là il va y avoir du spectacle. Bravo, bravo. 11h30, le départ fictif est donné sur la place Charles de Gaulle. Bravo. En attendant le retour des coureurs à Saint-Germain-en-Laye, divers stands étaient ouverts au public. Le Paris-Nice est aussi occasion pour le département de promouvoir le cyclisme sur son territoire. Ici, un stand a été installé à Saint-Germain-en-Laye et bien sûr, je n'ai pas pu résister à l'idée de me lancer sur ces jeux. 3, 2, 1, go! Et c'est parti! Ça conforte l'image de département qui aime le vélo, mais le vélo sportif qui est la vitrine, mais aussi le vélo déplacement quotidien, le vélo touristique, loisir, bien-être. Enfin, je crois que entre Saint-Quentin et le championnat de France et aujourd'hui Paris-Nice depuis 10 ans, le département prouve qu'il aime le vélo et fait les infrastructures qui vont avec, puisque ce sont près de 600 km qui est de voies cyclables qui ont été initiées par Pierre Bédier et le département. Après un peu plus de 3 heures de course dans le département des Yvelines et 138,5 km, c'est le néerlandais Dylan Groenewegen qui s'impose sur le fil devant Caleb Ewan et Fabio Jakobsen. C'était très plaisant de gagner aujourd'hui, aussi d'obtenir le maillot jaune. Ce sera sympa de le porter, ce maillot jaune, demain. Aujourd'hui, c'était une étape très dure avec beaucoup de vent. Mais l'équipe a fait du très bon travail avec 6 coureurs dans le premier groupe. Avec un point, nous restons devant. Donc c'est très bien pour l'équipe et pour moi d'avoir gagné aujourd'hui. Christian Prudhomme, quelle est votre réaction après cette première étape du Paris-Nice 2019? Une très belle première étape marquée par le vent, beaucoup de vent, avec ce qu'on appelle dans le jargon cycliste des bordures, donc sous l'effet de vent de côté, le peloton qui se scinde en plusieurs groupes. C'était très beau à voir, ça donnait une course très intéressante avec un sprint massif, mais moins massif qu'on ne pouvait l'imaginer hier par exemple, puisqu'il y avait donc beaucoup de vent, et que c'est le jeune néerlandais Groenewegen qui est un double vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France qui a gagné sur les Champs-Élysées. Voilà, les Champs-Élysées d'aujourd'hui, c'était Saint-Germain-en-Laye face au Château, donc une autre arrivée absolument magnifique. Et il a triomphé de rien devant un tout jeune Australien, Caleb Ewan, avec une première étape où on a vu beaucoup des favoris de Paris-Nice. Je pense à Romain Bardet, je pense au Colombien Quintana, ou première loge, parce qu'il fallait se méfier évidemment des pièges de cette première étape au vent. Il vous plaît, ce vainqueur?
Bien sûr qu'il me plaît, puisque c'est vraiment là. Il y a un plateau, et un plateau global formidable sur Paris-Nice, et il y a un plateau de sprinteurs particulièrement alléchant. Et là, c'est clairement la nouvelle génération qui gagne, avec Groenewegen devant Yuan et Jakobsen, c'est d'ailleurs trois coureurs qui sont jeunes, et qui vont certainement marquer le sprint dans les années qui viennent. Et la météo a fait bien sûr jouer les troubles faites hein, aujourd'hui. Hein. Le vent, c'est clair que c'est un élément qui donne une course incertaine. Donc, dans la course, ça a été très bien. Et puis, on avait le soleil pour finir sur cette magnifique arrivée finale. Là où est né Louis XIV, quasiment, avec le château en fond de ligne, c'était magnifique. Merci Christian Prudhomme et à demain au Bréviaire. Avec plaisir. Deuxième jour de compétition, bienvenue au Bréviaire, un village de 1300 habitants. Pourquoi les Brévières ? Bah, les Brévières parce que c'est un endroit qui est bien sympathique, mais on a besoin de montrer aussi aux coureurs, au public, que les courses de vélo peuvent s'organiser dans les petits villages, dans les grandes villes bien évidemment, mais aussi dans les petits villages. On transporte les champions ici. L'élite du cyclisme mondial est aujourd'hui aux Brévières, plus petit village de départ de Paris-Nice, donc c'est pas rien. Ah oui, c'est une surprise d'accueillir ça dans un petit village comme le nôtre, clairement. C'est positif, regardez le monde qu'il y a autour. Et tous les habitants, je crois, ont séché leur journée de travail pour être ici. Les Brévières est la 17e ville du département à organiser un départ du Paris-Nice et c'est surtout une grande première pour la commune. Oui, je suis très heureux quand le président du département m'a proposé de recevoir cet événement. Comprenez que la commune soit... C'est de l'honneur, c'est un grand honneur. 18 ans de mandat et puis un événement comme ça, sur la dernière année, c'est parfait. Voilà, donc j'ai beaucoup plaisanté avec la commune des Brévières, 1300 habitants, deux agents techniques, 5 barrières et une brouette. C'est pas mal plaisanté sur le sujet, mais je suis satisfait que les bénévoles qu'on a recrutés sur la commune, aujourd'hui, ont réussi à leur préparation pour cette course. Les camions viennent d'arriver, le podium est monté. Est-ce que vous arrivez quand même à reconnaître votre village ? Non, mais c'est vrai que depuis hier soir, tout est transformé. Les 270 barrières, il a fallu les allonger, il a fallu les préparer. Donc, et puis à la voirie, les arrêtés municipaux pour interdire la circulation, prévenir la population, je peux garantir que la pression est montée pendant ces jours-ci. Et puis, grâce à mon premier adjoint, Jacques Formanti, que je peux citer, donc a su driver toute une équipe pour qu'on réussisse cette matinée. Merci beaucoup, je vous laisse profiter du spectacle. Merci à vous. Quelques heures avant le départ, les bus des équipes cyclistes se sont installés à proximité du centre-village. De nombreux supporters se sont réunis autour des véhicules et notamment de celui de l'une des équipes phares du Paris-Nice 2019, AG2R La Mondiale, l'équipe de Romain Bardet et de Tony Galopin. C'est une équipe française. On connaît les coureurs. Pour nous, c'est sensationnel, quoi. On découvre au niveau des vélos, le nouveau matériel et tout. On se dit, c'est beau, quoi. On voit beaucoup à la télévision, mais en public, c'est quand même mieux. Puis quand on aime le vélo, on adore. Ses supporters ont également pu observer la préparation des vélos juste avant le départ. C'est le travail de Michael Skolnik, qui est dans l'équipe AG2R La Mondiale depuis 5 ans. L'expert peut passer plusieurs heures sur la préparation d'un vélo. Après une étape, ce qu'on fait, c'est qu'on les lave, on huile, on vérifie tout ce qui est coupe desserrage. Et après, c'est le coureur qui va choisir les braquets qu'il veut, les hauteurs de roues qu'il veut. Et donc, on fait un vélo à la demande, on va dire. Et donc, une fois que tout est assemblé, tout est réglé, le vélo est prêt et opérationnel pour la journée. Quand on est passionné de vélo, de belles mécaniques, c'est que du haut de gamme. Donc, c'est plus passionnant que de faire du vélo de Monsieur Tout-le-Monde. Une fois leur vélo prêt, direction la présentation officielle devant les spectateurs, les coureurs se sont ensuite installés sur la ligne de départ pour cette étape de 163,5 km jusqu'à Bellegarde dans le Loiret. Les sportifs vont encore parcourir 41,5 km dans le département avant de le quitter à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Et là encore, les conditions climatiques sont difficiles. Alors on va partir après dans la plaine, donc là un peu au départ il doit y avoir un peu de forêt si mes souvenirs sont bons, mais dès qu'on va sortir de la forêt il risque d'y avoir beaucoup de vent et quand on regarde comment sont les drapeaux, je pense que ça va aller très très vite. Quelle était votre stratégie pour lutter contre le vent ? C'est pas lutter, il faut faire avec, parce que quand on roule, il faut savoir monter des bordures, un éventail, ce qu'on appelle un éventail, et puis essayer d'éjecter le maximum de coureurs pour pas qu'ils soient tous à l'arrivée avec vous.
Le départ fictif a été donné officiellement à 12h40 devant la mairie, devant plus d'un millier de spectateurs. Le Paris-Nice reviendra l'année prochaine dans les Yvelines dans le cadre de son partenariat avec le département. La course au soleil fêtera en 2020 sa 78e édition, tout un symbole. On commence cette page résultat par du football dans le championnat de D1 de district. Plaisir s'est incliné 3-2 sur la pelouse d'Ardricourt. Morpan a pu faire mieux que match nul, un but partout. Montesson s'est imposé 2-1 chez lui face à Marly-Leroy. Enfin, Carrière Grésillon est allé chercher une précieuse victoire sur le terrain du FC Mantois. Au classement, Sartrouville, qui n'a pas joué ce week-end, reste leader avec 25 points. On jouait également sur les terrains de rugby ce week-end dans le championnat de Fédéral 2 contre-performance pour plaisir. Les hommes de Sébastien Roncalli se sont inclinés sur le fil 18-17 à domicile contre Chartres. Une défaite qui pourrait avoir de lourdes conséquences au classement. Les Plaisirois sont à l'heure actuelle 9e sur 12 équipes engagées et ne comptent que 3 petits points d'avance sur le premier relégable. En basket, Trapp est toujours en course pour la montée. Les Trappistes se sont largement imposés sur le terrain de Saint-Laurent-de-la-Plaine 96-75 pour le compte de la 18e journée du championnat de National 3. Résultat qui leur permet d'être à 3 points du leader à 4 matchs de la fin de la saison. Enfin, un dernier résultat de basket en National 3. L'équipe féminine du Chêne-et-Versailles s'est imposée à domicile contre le club basket d'IF. Score final 62-51. Le LCV 78 reste premier du championnat avec seulement une défaite au compteur depuis le début de la saison et devrait se qualifier pour les play-offs de fin de saison. On commence cet agenda par de la course à pied. La 12e édition de l'Éco-Trail est organisée ce samedi 16 mars. Les participants du 80 km partiront de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour rejoindre la Tour Eiffel. Au programme également des courses de 18, 30 et 45 km. Plus de 12 000 participants sont attendus pour participer à cette épreuve devenue une tradition dans les Yvelines. On écoute Fabien Parmentier, un coureur originaire de Montigny-le-Bretonneux qui a déjà participé à 11 éditions du 80 km de l'Éco-Trail. Il faut rentrer dans la course, il faut trouver le bon rythme. Faut éviter de ne pas se faire d'entorse parce qu'effectivement on part sur la base de loisirs de Saint-Quentin et puis on part dans une espèce de champ qui est relativement bosselé, pas évident pour les chevilles. Donc faut rester attentif, faut trouver le bon rythme, pas se cramer trop vite. Il y aura du foot US ce week-end. Les moins de 19 ans des Templiers d'Elancourt reçoivent les conquérants de Caen en complexe sportif Europe. La rencontre est programmée à 18h. Les Templiers doivent l'emporter pour conserver la première place du classement. En rugby, un match décisif dans le championnat honneur. Versailles ira défier ce dimanche Lagny pour le compte de la 15e journée du championnat. Une victoire et les Versaillais devraient officiellement terminer premier de leur poule, une place qui les propulserait directement en Fédéral 3. Si vous voulez les soutenir, le match se jouera au parc municipal des sports à Lagny. Toujours en rugby et toujours dans le championnat de division honneur, le Sky Rugby reçoit ce dimanche à 15h le CO Multisport Bagneux. Un match de milieu de tableau entre le Sky 7e et le 5e. La rencontre sera programmée au stade du Bout des Clos. Et on termine par un mot de baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux débuteront leur saison le dimanche 24 mars à 11h. Les Ignimontains affronteront Nice dans leur stade Jean Maréchal. Pour cette première journée de D1, le staff pourra compter sur ses 3 nouvelles recrues. Sylvain Perrin, formé à Chartres et ancien joueur des Barracudas de Montpellier. Raphaël Jiménez, un champ extérieur d'origine dominicaine. Et Francisco Pérez, un autre dominicain surnommé Chico. Les 3 joueurs devraient débuter le 24 mars prochain. C'est la fin de cette émission spéciale Paris-Nice. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives sur TV à 78.